Moi, j'ai une chose à vous dire, ou non. C'est que c'est ceux qui vont nourrir le monde qui vont crever de faim. Voilà le dilemme. Parce qu'à la campagne, les marchands, ils font mourir les paysans quand ils viennent acheter. Tandis que là, c'est les marchands qui se font mourir l'un à l'autre. Moi, je trouve qu'on a moins de temps de vivre qu'on vivait avant. Et puis voilà, mais c'est comme ça, c'est l'évolution, bien ou pas bien, mais on l'apprend et puis on n'a pas trop le choix. Suivant le lot numéro 245 pour 5 routards, niveau de décembre et février, vaccinés 4 et 8 depuis 50 jours, ils sont qualifiés. Le tracteur, quand vous êtes passé au tracteur, ça a fait quoi pour vous? Ben, pas plus mal, parce que vous savez, c'est comme les gens, les chevaux. Il y en a des qui sont courageux, puis des qui sont pas courageux. On paye des tracteurs chers, on peut pas se payer de la main-d'œuvre, c'est plus possible. Alors on est arrivé à un moment là où on se... Ben, il y a à se poser la question aussi où on va, quoi. Le 4 est vendu pour 750 euros à l'acheteur numéro 39. Et après, on arrive à un moment où humainement, c'est plus possible. On a beau sacrifier les jours fériés, les dimanches et tout. Il y a un moment, si vous arrivez le moindre pet de santé, ben, ça ne fait plus. On arrive après à des choses qu'on appelle le souci des agriculteurs. Un tous les deux jours, mais ça passe pas dans le jour. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, pour être agriculteur, s'il n'y a plus de passion, c'est pas la peine. Mais bon, sauf que, justement, on en revient aux mêmes choses. Quand vu les cours, la passion, c'est en train de nous la renier fortement. Parce que c'est vrai que plus ça va dans l'agriculture, le plus il faut en avoir de plus en plus grand, le plus il faut... Et je suis pas sûr que c'est la bonne solution, quoi, mais bon... Avec les vaccinations, les mises aux normes, et ça devient terriblement difficile dans notre métier. Et il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol général. 220, 230, 240. 240, 250, 260. Vous dites à un marchand, j'irai te voir dans 8 jours. Il vient, il vous fait perdre une demi-journée. Et je les prendrai quand je vais y penser. Tu seras payé. Je vais les payer. Quand je pourrai. Moi, je suis plus réactif, hein. Je travaille dans une usine et puis j'ai une troupe de 100 brebis. Je préfère garder mon boulot à l'usine. Hein. C'est vrai que ça devient écœurant de faire ce métier-là. Hein. Ah ouais. Et aujourd'hui, la terre, pour certains, c'est on place de l'argent, un point, c'est tout. Donc ça détruit automatiquement, quand on parle de paysan, ça détruit aussi la vocation paysanne de celui qui veut vivre de cette posture paysanne. On est parti pour 1300 pour celle-ci, 1300 pour 1301, à 1300, 1300 pour 1320, 1320, 20, 20 pour 40, à 1320 j'ai pas l'heure, 1320 pour 1340, à 1320 pour 1340 c'est vu, à 1320 j'ai une offre, 1320...